Êtes-vous de ceux qui espèrent pouvoir profiter un jour de leur rente et ne plus avoir besoin de faire le moindre effort pour vivre? Peut-être attendez-vous comme beaucoup la retraite pour arrêter la frénésie de la vie active. Vous auriez tant souhaité ne pas avoir à plisser les sourcils pour décrypter un texte biblique ou talmudique, ou se casser les dents pour prononcer les mots de la Tefila. L'effort a-t-il du sens? Notre paracha relate comment Avraham fit l'acquisition d'un caveau à Hébron qu'il paya en monnaie sonnante et trébuchante à Éphron le Hittite. Or, il a lieu de s'étonner. Pourquoi Avraham insista-t-il à payer une terre que Dieu lui avait promise? La réponse tient dans un des fondements du judaïsme. Tout s'acquiert par l'effort et par le travail. Certes, Hachem nous promet de nombreuses choses, tant sur le plan individuel qu'au niveau collectif. Mais si nous voulons que la bénédiction divine se réalise dans ce monde matériel et qu'elle ne reste pas à l'état de l'abstrait et du spirituel, pour qu'elle soit éternelle et non éphémère, l'homme doit parachever cette bénédiction par ses actes. Voilà pourquoi Avraham insista et paya pour ce lieu destiné pour la sépulture des patriarches. Et voilà pourquoi le roi David paya à Ravna pour une ville qu'il venait de conquérir, la ville éternelle de Jérusalem.